Du coup, voilà, c'est le matin. L'histoire de ma vie, c'est le thé réchauffé parce que j'ai pas eu le temps de le boire. Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo différente, j'ai décidé de vous filmer une vidéo, une journée dans ma vie, fin novembre. Je me suis dit que j'allais me faire au moins une ou deux vidéos comme ça d'avance au cas où je suis en galère un jour pour le Vlogmas. Voilà, sachant que mon mari est en présentiel, du coup je me suis dit peut-être que je vais foirer un ou deux jours dans le mois, du coup j'aurai une vidéo d'avance. J'espère que ça vous plaira. C'est une journée en fait où Louis est à la crèche, du coup je vais vous filmer un peu ce que je fais comme boulot dans la journée. Je t'en avais déjà proposé une cet été, ça avait l'air de bien vous plaire. Et voilà, je filme pas une journée dans ma vie quand je suis juste avec Louis toute la journée. Je me suis dit que comme il est à la crèche et que je vais bosser, j'ai d'ailleurs une copine à voir à midi, on va sortir. Du coup, je vais aller dans Lyon. C'est très rare que ça arrive. En général, je prends même pas le temps de manger, je travaille toute la journée. Et du coup, je me suis dit que ça serait un petit peu sympa de suivre ça avec vous. On me pose souvent des questions sur mon peignoir tout rose, il est vieux. Je crois que je l'avais acheté sur Asos. Il est très grand, je l'ai pris en L pour vraiment être bien enveloppé. Du coup, on est fin novembre, mais j'ai déjà sorti ma tasse. J'ai pas honte. Tu veux peut-être dire bonjour? Bon, du coup, là, je rentre de la crèche, d'avoir posé la crèche. Il me reste un quart d'heure avant mon interview. J'ai une interview téléphonique avec un magazine féminin. Et du coup, je suis en train de speeder pour regarder parmi ma to-do list ce que je peux caler dans les 15 prochaines minutes. Je crois que je vais déjà faire réchauffer à nouveau mon thé. Et je voulais tourner un clip pour Instagram, là, pour une collaboration de vêtements. Mais 15 minutes, ça va clairement pas suffire. Surtout qu'il faut, quand c'est une collaboration rémunérée, il y a deux choix. Soit les marques vous laissent vraiment libre, voilà, comme vous voulez. Soit elles ont un briefing, elles ont un cahier des charges. Et dans ce cas-là, si c'est rémunéré et que vous acceptez, et ben, il faut le suivre. Et du coup, ça prend du temps à relire, etc. Du coup, je ne vais pas avoir le temps. Et je regarde, je crois que je vais faire un peu de montage pour avancer un peu. Parce que je crois que j'essaie souvent de ne pas mettre du montage les jours où Louis est à la crèche. Parce que le montage, dans l'absolu, ne fait pas de bruit. Donc, je peux le faire pendant la sieste ou le faire le soir une fois qu'il est couché. D'ailleurs, je passe la plupart de mon temps durant les siestes ou le soir à faire du montage. Parfois, durant les siestes, je filme un peu, mais des trucs sans voix. Parce que sinon, je me suis rendu compte que je parlais vraiment doucement et c'était pas facile pour vous d'entendre. Enfin, en tout cas, moi, au montage, c'était pas facile. Sauf que du coup, quand je fais sans voix, après, il faut que je fasse une voix off par-dessus. Ça, après, ça me prend encore plus de temps de montage. Du coup, en général, j'évite, je fais du montage simplement quand il dort, etc. Donc les jours où il n'est pas là à la crèche, en général, je fais des trucs que je ne peux pas faire quand il est là. C'est plutôt donc filmer en face cam comme ça, pré-filmer du coup la plupart du temps, tourner des clips, bosser sur un autre truc qui me demande beaucoup d'attention et dont je ne peux pas vous parler. Gnagnagna. Je déteste faire ça, je suis désolée, mais ça fait partie de ma to-do list. Bon, je vais trouver, je vais faire réchauffer mon thé, faire un petit peu de montage tout en appelant ma sœur, ce que je fais quotidiennement, du coup c'est le bon moment. Voilà, petit thé réchauffé. C'est des choses dont les plantes sont tributaires. C'est pas en grande quantité parce que mais si comme moi vous avez un balcon qui est fleuri. Oui, il y a des qui normalement poussent dans des sols acides et du coup. Mais de rien. Oui, j'ai parlé un peu vite, je suis désolée. Bon, du coup, je me suis changée parce que j'ai un petit clip à faire vêtement pour Instagram. Mais je me suis rendu compte, puisque je me suis mis par là, que mon spatifilium avait hyper soif. C'est le spatifilium variegata qui est vraiment trop cool. C'est une plante à variegation hyper facile. Je vous ai fait une vidéo dédiée aux plantes à variegation pour débutants hyper facile qui prennent pas la tête. Elle était incluse. Mais celui-là aussi, je crois qu'il était inclus. Mais c'est vrai que je l'oublie beaucoup. Et comme le spatifilium classique, quand il a soif, il vous le dit, il s'étale. Et du coup, voilà, on remet un bon coup d'eau et ça redémarre. Et en plus, ça encourage la floraison. Donc ça, c'était le petit point arrosage du jour. Bon, sinon, j'ai pas beaucoup avancé ce matin.
Parce qu'en fait, je vous dis souvent que quand Louis est à la crèche, j'essaie de filmer à fond, ce que je ne veux pas faire quand il est là. Ou alors, on entend derrière, je suis obligée de faire de la voix off. Mais en fait, ce matin, j'avais du montage à faire parce que je voulais envoyer un clip pour validation pour une marque, pour un partenariat sur YouTube pour décembre. Et du coup, je préfère envoyer ça le lundi pour qu'ils aient toute la semaine pour regarder, plutôt que de faire ça plus tard dans la semaine. Donc au moins, j'ai dû avancer. Et en plus, je filme, mais après, je me retrouve bloquée parce que mon ordinateur, qui est mon petit ordinateur pour chez moi, que j'utilise pour mes cours, quand je suis en classe, et ben il n'y a pas beaucoup de mémoire dessus, il n'y a pas beaucoup de place et je me retrouve constamment bloquée en termes d'espace. Donc j'essaye d'envoyer tout ça sur mon disque dur externe à chaque fois pour faire le stockage. Du coup, je me retrouve en fait obligée d'arrêter de filmer toutes les 5-10 minutes parce que hop, ma caméra veut plus filmer, ou alors j'arrive pas à transférer parce que j'ai pas non plus de place sur mon ordi. Bref, je sens que cet ordi va me lâcher bientôt, je le sens, parce que l'USB aussi, quand j'essaie de faire les transferts avec le disque dur externe, des fois ça foire et si le disque dur externe foire, je n'ai plus rien. Donc voilà, je vais me faire une copie, je pense, et voilà. Nox fait la tronche parce que normalement après le repas du midi, ah, vous voyez pas. Normalement après le repas du midi, je fais oui, donc j'ai gardé la tenue confortable, j'ai juste changé mon manteau. J'en avais un rose ce matin, mais avec le noir décollant, j'aime pas mettre du rose. Je sais qu'il fait la tronche parce qu'en général, normalement quand il y a pas de crèche et que Louis est là, pendant le temps de la sieste, donc après le repas, je m'assois sur le canapé, je fais un petit peu de montage et il vient directement. Mais les jours où Louis est à la crèche et que je bosse toute la journée, déjà je m'assois jamais et ensuite j'ai même pas le temps de déjeuner. Du coup, il fait un petit peu la tronche. Mais bon, là il est proche du radiateur, il fait chaud. Je lui ai remis son tapis, donc franchement ça va. On a la belle vie. Et j'y vais parce que je vais être en retard pour mon déjeuner. Je vais rater mon bus. Bon, du coup, c'est le soir et je me suis un peu fait laisser déborder par l'heure parce que j'avais pas mal de trucs encore à filmer. Et comme j'ai perdu ma carte mémoire, je pouvais pas vous filmer ce que j'étais en train de filmer. Compliqué cette phrase. Bon bref, je vais aller chercher Loulou dans une petite demi-heure et en attendant je voulais créer un truc. J'ai reçu de la part de la marque boîte de jeu Love Avery que j'aime beaucoup. Il y avait des cartes dedans de trucs qu'on fait dans la journée. Donc genre se laver les mains, chanter une chanson, habiller, etc. Mais il n'y avait pas de support pour les mettre. Et du coup, je me suis dit que je me créerais bien avec une boîte en carton, par exemple, que je pourrais recycler un genre de tableau et mettre derrière des autocollants aimantés et puis faire de même sur le tableau pour pouvoir, je sais pas, changer chaque jour. Bah, peut-être pas la rituelle du matin parce qu'on se lève, on s'habille, on change la couche et le soir, c'est pareil. Mais peut-être la ligne du milieu, on pourrait la changer suivant si on va à la crèche, suivant si ce jour-là, on reste à la maison à jouer tous les deux. Si on sort au parc, on sort tout au parc, mais voilà, des choses comme ça. Donc je pense que je vais passer les dernières minutes à rechercher dans la maison j'ai un tableau en carton assez grand pour faire ça. Ensuite peut-être regarder s'il me reste de la peinture pour passer une couche dessus, pour que je rachète de l'adhésif aimanté parce que je l'ai laissé en classe et je les ai donnés à mes collègues, les derniers que j'avais. Voilà, puis ensuite je vais aller le chercher et puis on va jouer à la maison tranquillou parce qu'il fait vraiment pas très beau aujourd'hui. Il pleut, tout ça, c'est pas grave, souvent on sort avec les bottes de pluie, on sort avec l'imperméable, j'ai acheté une genre de salopette imperméable comme pour aller pêcher pour Louis pour sortir. Mais là je suis fatiguée cet après-midi, j'ai l'impression d'avoir des courbatures, j'espère que je couvre pas un truc parce que j'ai pas le temps de courir malade. Du coup on va se la rentrer et... tranquille, voilà. C'est bien mon chat. Encore là, Fago ? Encore. Vas-y. Ouh là, on roule dans le Fago. Tu vas faire vite dans le Fago, ouais.